Attends, toi tu vas nous embêter. Voilà, boum, au revoir, à la prochaine. Salut à tous, de retour sur Assassin's Creed pour aller sauver les filles des deux jumelles prêtresses qu'on avait aidées. Enfin, qu'on avait pas aidées, mais qu'on avait interrogées plus exactement. Et toi tu vas mourir. Prends ça, Sharon. Non. Attends, je suis sérieusement en train de le rater. Attends, lui, non, là, comme ça il va pas venir t'aider. Pouf. What? J'ai raté. Alors, tu te fatigues? Non, je me fatigue pas. Mais non, je rate à chaque fois là. Oh la vache. J'ai débloqué le succès archer du mois. Ouais, mais non, là j'ai un peu merdé à chaque fois. Et du coup, les deux, le frère, donc des deux jumelles, qui a été capturé pour les faire chanter qu'elle empoisonne le. Non, il est interdit de venir ici. Le taureau sacré. Enchaînement, vite, enchaînement. Voilà, boum. Et de d'un coup, ni vu ni connu, on va les empoisonner. Comme ça, au cas où il y en a un qui les trouve. What? Si je te pissais dans le fond du gosier, c'est dégueulasse, mec. C'est dégueulasse. Bon, là, il y a deux mecs. Il est là, le frère. Ah, faudrait que je finisse aussi le camp. Peut-être me faire d'abord le mec là-bas. Non, 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 vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu, je suis discret, je suis invisible. Je suis Bayek, je suis la nuit. Attends. Je vais faire lui. Et enchaînement. Enchaînement d'assassinat. Et je quick. Au revoir. Bonne nuit. À la prochaine. Attends, il y a l'autre qui me suspecte là. Je crois qu'il y a quelque chose ici. Non, il y a rien. Lui, il va faire dodo. J'ai entendu quelque chose. Comment en être sûr? Oup, assassinage. Enchaînement, enchaînement. Go. Un sauveur est là. Boum, voilà. C'est toi, Pancrates. Et poup. C'est moi. Loué soient les dieux d'avoir envoyé un robuste guerrier à mon secours. Oh, tu veux pas m'emballer quand même? Je suis blessé. Attends, il y a un trésor. Je vais te porter en lieu sûr. Est-ce qu'il est vraiment blessé ou alors est-ce que c'est encore une astuce pour que je le porte pour pas avoir à bouger? Quelle bande de feignasses, ces mecs. Allez, on y va au cours. But. C'est quoi ta... Il est tout crispé, le mec, dans sa... Il est mort bizarrement. Des fois, les PNJ, ils meurent bizarrement. Parle-moi de ton enlèvement. Mieux vaut en parler quand nous serons seuls. Allez, mon cheval. Et puis, j'ai non. peur ah, que oui, mes bon. Blessures m'aient beaucoup affaibli. Mais non, si peu. Arrête. Ils sont tous très, très négatifs. Faut être plus optimiste, les mecs. Plus optimisme. Raconte-moi tout. Du coup, je pense que le... Voilà, c'est ma maison. Quoi? Attends, avant d'entrer, je dois te pas. Ok. De me parler, vas-y, parle-moi, dis-moi. J'aimerais épargner à mes sœurs déjà les détails les plus pénibles de ma captivité. La torture. Je comprends. L'homme qui a ordonné mon enlèvement est un prêtre d'Anubis qui officie au grand temple. Il est bien coupé le doigt. Un prêtre de l'entourage de Pachérepta. Tu peux me le décrire? Avec une ceinture bleue? Il porte une écharpe bleue et il tousse horriblement. Le lézard. Je le tiens. C'est celui qui avait menacé déjà l'autre, qui faisait le nacron, et il lui avait coupé le nez et tout. Donc on l'a maintenant. Ah, Pancrates. Ah. Et il faisait chanter tout le monde, il s'est arrangé tu pour que la prêtresse, ils sont maltraités. La femme du grand prêtre... Il m'avait ligoté, il me donnait des croûtes de pain comme un vulgaire mange, mendiant. Sois malade et tout ça. Ça c'est vraiment alors un enfoiré le lézard. Et en plus c'est un prêtre, c'est ça l'œuvre le pire. L'œuvre du lézard. Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre sur les mains. L'ordre se répand partout. On n'est plus à ça près. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer un millier de prêtres. C'est un peu extrême, mais... Nous sommes tous voués à la violence. Maintenant. Et à jamais. Ok, chérie. Bah, si tu le dis. Je sais pas si Bayek a tellement envie. Toi, t'étais plus sanguine que lui. Je dois avertir Pachérepta. Il attend au palais. J'ai récupéré des chevaux près d'ici. Ok. C'est intéressant du coup parce que les deux ont des points de vue extrêmement différents. C'est-à-dire qu'elle, on voit qu'elle est totalement, elle a totalement succombé à la violence et à la volonté de suivre Cléopâtre. Alors que Bayek, même s'il a envie... Qu'est-ce que tu attends, mon amour? Ok. Même s'il a envie de se venger, il a quand même des réflexions... sur lui-même, sur s'il fait le bon choix et tout, comme quand on voit dans les scénettes, quand il regarde ses mains, quand il est pas sûr.
Si on faisait la course, comme à Siwa. Il est pas sûr. Ah, seulement si tu es prête à perdre. Moi, perdre? C'est ce que nous allons voir. Bah, pourquoi créer une compète si t'es pas prête à perdre? Ah. T'es en train de perdre. Pardon? Je suis devant toi, là, ma grande. Oh, pardon. Tu gagneras le vainqueur? Tu ne le sauras jamais. Une petite gâterie? Yes. Allez, le cheval. Tu es plus lent que Ramsès, et il est mort depuis des années. C'est quoi ce dialogue? Sérieusement, je suis devant toi, je suis pas plus lent. Tu ne tiendras pas ce rythme. On verra bien. Ok, très bien. Par contre, c'est chiant, on peut pas accélérer par nous-mêmes. Plus vite, allez, plus vite. Il ne doit pas nous battre. Non, mais pourquoi tu t'es arrêté le cheval? Non. C'est bon, je t'ai battu. Et bim. On dirait que j'ai eu le dessus. T'es trop nul. On dirait, oui. Alors, j'ai le droit à quoi? On a tous nos points faibles. C'est vrai. L'un des tiens est la modestie. Qu'est-ce qui se passe? La reine va parler. Viens, je veux l'entendre. D'accord. Bon, on y va, je te suis. Poussez-vous. Oh, pardon, Aya, excuse-moi, je voulais pas te cogner. Mais j'ai du mal à m'arrêter quand je commence à courir. Tant qu'ils régneront, les dieux maudiront le pays et retiendront les eaux de notre fleuve. Elle s'exprime Mais en public. Quand la déesse vivante aura pris sa juste place sur le trône, alors les crues reviendront. La déesse vivante. Grâce à moi, Memphis scintillera. Sois modeste un peu plus, hein. Rubis serti d'or. Grâce à moi, L'Égypte triomphera. Le peuple n'est pas totalement avec toi, là. Hein. Je te le dis tout de suite, ton discours n'a pas fait que des heureux. Heureusement que t'as tes gardes. Merde, mon discours ne fait aucun effet. D'accord. Et donc? T'es triste parce qu'il t'aime pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne dois pas les perdre. Il faut qu'ils prennent ma voix pour celle de la déesse. Je sais pas si c'est la meilleure méthode. Faut que tu te montres que tu te battes pour eux, mais pas pour ton propre pouvoir. Pour le moment, pas convaincu. Ma reine ? Le taureau Apis souffre-t-il toujours ? Nous avons découvert la cause de son mal. On l'a empoisonné. Qui a osé ? Les prêtresses jumelles. Qu'on les fasse bouillir dans un taureau c'était de sûr. Bronze. Déesse, non. On les a forcés. C'est sûr. Leur frère a été enlevé par un prêtre qui porte une écharpe bleue et qui tousse. Et Tepi ? Mais c'est l'un de mes plus proches conseillers. Eh ben, celui voilà. qui vit dans ton ombre est le plus à même de te trahir. Si même Tepi est contre moi. Et c'est certainement lui. Menaçait ta femme, c'est ton enfant. Quand on posait ta Et femme. Sois en sûreté. On va s'occuper de lui. Les prêtres d'Anubis vont accomplir des rites dans le grand temple. Tu les reconnaîtras à leur masque. Ma lame sera aussi efficace que la sienne. Non, Aya. J'irai. Peu m'importe qui de vous tuera ce prêtre. Que ce soit fait avant que nous prenions la route d'Héracléion. J'aime pas trop la façon dont elle me donne des ordres, la Cléopâtre. Attends. Je suis pas un chien, hein, à ton service. Que Ptanoun le père insuffle sa force à ton bras. Je pense que c'est ça qui va nous séparer, c'est... Aya est totalement avec Cléopâtre, et elle lui sert de... d'assassin, perso. Mais pas... Pas Bayek. Bayek, il a des doutes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? T'as un problème? Voilà! T'as plus de problème, maintenant. Quoi? What? What? Mais non, j'ai rien fait, c'est pas moi! C'est pas moi! Je l'ai pas tué, il est tombé tout seul, je t'assure. Non. Non, c'est pas moi, je t'assure. Non. Je suis pas là. Je m'échappe vite. Je te tiens à toi. Non. Non, tu me tiens pas. Je me casse. Mon cheval, vite. Mon cheval. Il y a là mon cheval. On se casse. Le terpéré, poussez-vous. Poussez-vous. Non. Non. Oh, il y a d'autres gardes. Je suis discret. On ne vous voit plus.
Je suis dans la végétation, c'est bon. C'est bon, mon pas repéré. Ouh. Go, allez, on grimpe. Il est temps de tuer un prêtre. D'accord, donc faut qu'on les repère tous. Et ensuite, qu'on s'occupe de les... Enfin, de trouver le bon. Ok. Là-bas. Il est où le dernier? On les a tous? Ah bon, on les a tous, ok. Le problème, c'est que si je tue un prêtre, je vais être accusé de sacrilège contre les dieux. Et je vais avoir tout le monde au cul. Et Cléopâtre est gentil, il faut que je l'assassine, mais c'est moi qui vais me prendre tout le monde au cul, après. C'est pas bon, pas bon du tout. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas cette histoire, là, je sens... Oh, je vais pas t'assassiner. J'en entends un qui tousse. C'est toi? Désolé. Tu vas mourir. Salut. Chouic. Et voilà. Trouvé. T'as cru pouvoir t'échapper? Te cacher? Et non. Wow. Le lézard. Le prêtre qui a maudit Memphis. Je suis le visage de la vieille Égypte. Et maintenant t'es du passé. Littéralement. La vieille Égypte est trop cruelle. Des innocents, mutilés. Des enfants tués avant de naître. Le grand prêtre, calomnié. Avant même ta venue, son nom était déchu. Le peuple est le bétail des dieux, mené par le fouet du bouvier. Tu en fais partie, Bayek. C'est une façon de voir. Tu n'es qu'un veau. Comment ça, tu connais mon nom? C'est la volonté qui m'anime. Pas la peur. La vengeance. Oh oui. Et qui tient le fouet qui s'abat sur ton dos? Cléopâtre. Qui exige que ma mort vienne ternir ton cas? Ton cas? Pourquoi ça ternirait mon esprit? Je réponds à mes dieux. Toi, moi, affronte les tiens. Moi, mon esprit est calme et il va bien. Hein. Je suis totalement en paix avec le fait de te tuer. À la limite, les hyènes, ça me perturbe plus. Mais... Je lève les malédictions qui accablent Memphis. Il faut que j'avertisse les autres. C'est pas moi qui ai tué le monsieur qui est par terre. C'est pas moi, je t'assure. Salut, je l'ai tué, je l'ai eu du premier coup, j'ai pas tué d'autres prêtres, donc tout va bien. Ma reine, elles n'ont agi que pour lever la menace qui pesait sur leurs frères. T'as pas à faire de... d'autres... à recruter d'autres prêtres. Les malédictions ne te gêneront plus. On aurait pu ramener le corps directement. Qu'est-ce qui a pu le pousser à de telles folies? Rien ne l'a poussé, il était déjà comme ça, je pense. Memphis est de nouveau à vous. À nous? Non, tu vois, c'est ce que j'avais dit, Bayek. Cette sombre affaire est réglée. Nous pouvons enfin préparer la fête. Il n'est pas avec Cléopâtre, c'est juste un allié provisoire. Puissent les démons dévorer le Kaad et Tepi. Et puissent les meurtriers de Khemu connaître le même sort. Elle est en train de manipuler les deux, là. Mais d'une force. J'aime pas du tout, là, ce qu'elle nous fait, là. Ah. Bayek le sent venir. Je sais qu'il le sent venir. On est connectés, Bayek et moi. Ah, ça y est, ça finit de charger. Saluez votre reine, mécréant, et agenouillez-vous. À l'époque, c'est vrai qu'ils étaient plutôt cruels au niveau des châtiments envers les personnes, même s'ils étaient innocents ou poussés. Ça m'étonnerait pas que les deux jumelles soient quand même exécutées. Même si Aya essaie de les défendre et tout ça. Ça va être un sujet de discorde peut-être entre les deux. Entre Aya et Bayek. Parce qu'elle va malgré tout la suivre. Tandis que Bayek va dire, mais non, mais on peut pas suivre quelqu'un comme ça. Qui est aussi cruel. Hey chérie. Pourquoi tu fais la gueule? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Te quitter est un supplice, mais... je dois y aller seule. Où ça? Aya. Je ferai honneur à mon devoir. What? Et où va-t-il te conduire? Au nord, pour mettre le feu à la mer. Encore le bateau?
Donc Aya, c'est que le bateau. On l'aura jamais sur Terre. Mon esprit ne te quittera pas. J'espère que nous chasserons de nouveau ensemble. J'espère aussi. Ça me semble mal parti. En attendant ce jour, la nuit nous appartient. Oui, la nuit nous appartient. Yes. Pendant ce temps, sur Memphis, les malédictions se lèvent. Plus de crocodiles. Plus personne pour polluer les gens. C'est la fête. Ouais, ouais. Sur ce, on va se quitter. Je n'ai plus de temps, malheureusement. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, me laisser un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir d'autres vidéos. En vous disant à la prochaine avec Bayek. Ciao.